Salut les bandits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield où on va discuter de Battlefield 1 qui pour moi est la quintessence même d'un Battlefield, peut-être le meilleur Battlefield de toute la série, en tout cas top 3 BF, objectivement je pense, de la série entière. C'est sûr, c'est le mix parfait entre réalisation technique, immersion, gameplay et puis cette ambiance Battlefield si particulière qu'on cherche tous dans un BF. On se retrouve aujourd'hui pour un genre d'épisode de front, la série dans laquelle je vous commente en les parties en vous disant mes choix de position et de stratégie sur la map où j'ai fait mon premier au front, aux frontières de l'Empire. C'était avec une Zeps Ladder à l'époque, et là on n'est pas exactement sur la même, mais par contre on va essayer de jouer aussi bien que sur il y a 7 ans. Et oui, on arrive à récupérer ce point de façon assez bien. Par contre il y a encore du monde qui risque effectivement de nous poke. Est-ce que j'ai une petite... Ça commence fort, hein. Ça commence direct, ça fait plaisir. On va essayer de garder la ligne ici. Petit blitzkrieg ici. Merde, j'avais pas vu. Ah, il les a tous lavés. Ok, génial. Ils sont de l'autre côté en fait. Est-ce qu'on est allé un petit peu fort? Elle est magnifique, hein. Cette map. Ouais, faut faire attention, hein. C'est un peu compliqué, hop là, c'est bon. On a qu'à PC. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le meilleur BF qu'on ait jamais eu, clairement. Et je voulais vous faire un petit moment de nostalgie sur ce jeu. Alors je sais pas si la game va être extraordinaire, parce que je vous avoue que c'est la quatrième game que j'ai lancée. Pour un tas de raisons, parce que, bah en fait, si les parties sont déséquilibrées, c'est pas fun. J'ai fait deux games où on a absolument oblitéré l'équipe adverse. Et en fait le problème c'est que d'un point de vue équilibrage, bah c'est pas effectivement optimal. Et ça c'était une des plus grandes maps qu'ils avaient fait sur BF1 et c'était quand même marrant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre une petite grenade de détection ici. Avec le marsauto, mon arme préférée. Je pense qu'il y a un mec qui est juste en dessous et on a complètement des caps. Ok, bah, je crois qu'on est bien. On va pouvoir virer du point E. Et aller sur le point D. Avec mon escouade, je vais demander un ordre, je vais garder peut-être la ligne, on n'a rien. Ouais, BF1, c'est quand même un jeu tellement épique, les amis. J'adore. Ouh, la belle nade. Alors, sur BF1, la spécificité des grenades de détection, c'est qu'il fallait les lancer au sol. Alors, je sais qu'il y avait effectivement quelques trucs dont j'étais pas fan. C'était marrant d'un point de vue gameplay, mais... Enfin, immersion plutôt, mais pas d'un point de vue gameplay. Notamment par exemple eh bien, les kits épiques qui pouvaient être très frustrantes. On va essayer de passer par ce petit spot ici, bien connu des joueurs de BF. Hop, petit coup de marsauto qui fait plaisir. Là je suis vraiment en edge, je pense que je risque de me faire tuer. J'ai pas d'arme auto, il va falloir que je me cache, j'ai pas d'escouade non plus. J'aimerais demander un ordre pour que les gens puissent popper sur moi. Il y a même des mecs qui communiquent. J'espère que les gens vont spawn sur moi, ça serait assez lourd. J'ai pas de grenade de détect. Non, personne a spawn. Je suis chef d'escouade, ok. On va attaquer D, les potes. On est au edge. Hop, on va passer sur le point D. Ouais, je sais pas, il y avait vraiment un truc. Effectivement, il y a des jeux qui sont encore plus immersifs que BF, hein. Rien à dire, mais... Mais je sais pas, il y a un savant mélange, je trouve, sur BF, de jeux à la croisée des chemins entre semi-immersion, hein, très très loin de l'immersion, mais... Ah, faut que je me barre. Ah là là, je vais mourir. Je vais essayer de charger, essayer de me barrer, je vais leur lâcher le point pour l'instant, parce que j'ai pas de teammate. On va essayer de se décaler. J'ai une... Non, j'ai toujours pas de... Ah, c'est pas mal, un petit enchaînement d'éclaireurs agressifs qui, je pense, fera plaisir aux fans de la chaîne. Et de Battlefield 1. Mais il y avait, c'est vrai que il y avait ce petit truc très agréable sur BF1, où je sais pas, j'avais vraiment l'impression de jouer un jeu à part, nouveau, extraordinaire, et j'ai pas vraiment retrouvé cette sensation. Oh, j'ai cru que je lui avais mis une tête. Ah, j'en ai déjà mis des clips comme ça. Non, le tank. Bon, je vous avoue que les tanks, c'est pas ce que je préfère sur BF, mais bon, ça fait partie du jeu malheureusement. Bon, on a fait une super approche en early game. Est-ce que je vais réussir à avoir un petit res de la part du medic qui est Elise là? Allez Elise, mon bro, tu peux lâcher un petit res? Oh frère, pourquoi tu mets autant de temps à res? C'est vraiment une erreur. Toujours penser à res les teammates, parce que
vous aurez beaucoup plus de chances d'aller chercher éventuellement un res. Alors là, on a une petite escouade qui est en train de se créer pour aller sniper le point A. On peut partir là-dessus. On peut partir là-dessus. C'est une grande map. On va essayer de se faire plaisir. Regardez-moi ça, c'est ce graphisme absolument génialissime. On a eu un début de game très rapide. Je vais mettre une petite grenade de détection par là. On a un joueur qui est là. C'était très fort les grenades de détection. Hein. On va, je pense, essayer de push direct. Alors, je pense que le mec s'attend à ce qu'on débarque. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait les renforcer de l'intérieur. Et qu'il fallait les péter à coup de C4. Je sais pas si on a un assaut. Mais heureusement... Ah non, ils sont deux. Oh non, je pensais qu'il était tout seul. C'est un niveau 2 qui me tue. Je pensais qu'il était tout seul. Du coup, j'ai vraiment décalé exprès pour aller... Pour aller le chercher, je pense qu'il va quand même réussir à le choper. Il est très très low. S'il me reste, je le détruis. Je le reste. Tue-moi. Le petit bug de viseur en early game. Ok, on est pas mal. Ah, c'était du gameplay à l'ancienne. C'était vraiment, je trouve, un des derniers... Regardez-moi cette ambiance. Regardez-moi cette map. Regardez-moi cette ambiance graphique. C'est extraordinaire. Et est-ce qu'on se ferait pas, en vrai, un petit throwback? Est-ce qu'on jouerait pas à la Zepp Slader comme il y a 7 ans pour le premier épisode d'Offron? Je sais plus si c'était le premier ou c'était le premier épisode où je montrais mon visage. Allez, on va essayer de le pousser en B. Ah ouais, un petit coup. En vrai, un petit coup de Zepp Slader, ça pourrait être pas mal. On va aller en B. Ah mais cette map est absolument génialissime. Puis le jeu est toujours aussi beau, hein. Moi, c'est... J'adore BF. Hein. Tout n'est pas parfait, il y a des mécaniques qui me rendent fou. Hein. Les mécaniques de dispersion, par exemple, sur ce jeu, je le trouve absolument idiote. B, c'était un point marrant à prendre. Je me souviens à un moment... Oula, il y a un mec qui est dedans. Ok, est-ce que je vais pouvoir grimper? Je me souviens plus. Yes, le petit coup de... J'ai toujours pas mon propre kit. Hein. C'est le kit que j'ai chopé sur mon teammate. Je vais attendre éventuellement qu'il spawn sur moi. C'est possible qu'il veuille spawn. Ce serait pas mal. En vrai, si The Man That Milks spawn sur moi en medic, ça peut être vraiment pas mal. Ok. Oh non, c'est un tank. Bah ouais, c'est un tank. Ah, je l'ai même pas entendu. Il joue bien, hein, franchement. J'ai essayé de fumer les deux soutiens, effectivement, qui le poussent. Je vais essayer de jouer au revolver ici, contact. Je crois que je vais mourir, non? Non, ça va. C'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Et le problème, c'est que... On va essayer de réanimer un peu tout ça, de soigner. Hop. Parfait. Petit gameplay médic de qualité, là, ça fait plaisir. À l'ancienne. Je vais clairement me décaler, j'ai pas envie de me prendre le tank. C'est relativement serré, mais on n'a pas de tankiste, nous, malheureusement. Je vais essayer d'aller chercher de ce côté-là. Petite solo queue. Y a pas un mec à l'intérieur, là? Vas-y, on va essayer d'aller soigner le poteau. Hop. Toujours jouer medic. C'est quand même la classe qui était vraiment très récompensante, hein, sur ce feu, qu'il y a un... Panzer qui est là... Je me souviens plus de la puissance du... Je me souviens plus de la puissance du revolver sur... C'était un 3 tap kill au contact, je me souviens plus en vrai, je vous avoue. Mais il était relativement weak comparé à celui de BF5, on va res. Il me semble. Hein. C'est un peu ce qui manquait au kit... Au kit medic. On est pas mal. Et voyez, juste cette impression de guerre absolue. Moi je trouve hein, qu'on l'a trouvé plus tant que ça en fait sur les nouveaux BF. On va essayer de le raise encore. On se mange full nades, c'est vraiment important là d'essayer de soigner. Mais on a bien défendu, on n'a pas fait énormément de kills, mais on a plutôt bien défendu. C'est tight. Et là c'est la zone, là c'est là le moment où... On se fait plaisir avec le bon tireur. On a le Panzer ici qui va peut-être nous faire un... Non, mais mec, c'est ça que je comprends pas. Comment est-ce que le mec se mange des hits? Je crois qu'en plus, la dispersion, si je dis pas de bêtises, sur BF1. Parce que là, j'ai vraiment pris la ligne et je suis resté sur la ligne parce que je me suis dit, ok, j'ai mis deux pocs. Normalement, il est en dispersion, il va pas pouvoir me mettre de tête.
Et je crois que dans mon souvenir, il me semble qu'en fait la dispersion n'est effective, vous allez rire, hein, que lorsque on ne vous tire pas des balles dessus. Genre en fait si on vous rate, vous vous mangez la dispersion. Mais si on vous tire dessus, non. Vous voyez bien la logique un petit peu absurde de ça. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit... Oh lui. Lui il va clairement nous lâcher un petit scud. Non. Oh les souvenirs de cette map. Là il y a un... Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trop loin. Ouais le tank il m'a dans le collimateur, je vais juste dégager, ça sert absolument à rien. Ouh. Très utile. La dispersion de ces guns, mais c'est vraiment... C'est des pétoirs en fait, quoi. Moi je trouve qu'ils ont bien réussi à faire ce truc là quand même, parce qu'à l'époque, effectivement, tu tirais pas à 300 km avec ton arme. C'était trop dur en fait, t'avais zéro précision, tes armes elles s'enrayaient. Ils auraient pu être encore plus cruels hein, dans les mécaniques de tir. Hein. J'arrive pas. Il y a énormément de spread en vrai. Hein. Ah, je l'ai eu. Ah, c'était tellement dur de tirer à distance. On arrive à quand même bien récupérer cette petite montée là. Allez. Carnage de Zep Slader. Les chasseurs, on pouvait vraiment l'époque à distance. Là, avec une grenade gaz. Oh, le carnage que c'est, là. Yes, allez, on prend une petite ligne. Je prends tellement de plaisir à jouer. J'espère que ça se voit dans la VOD, parce que je suis vraiment méga kiff. On va essayer de push ici tranquillement avec le revolver. On est avec un assaut. Hop. Là, je pense que normalement, on peut aller peut-être... Ouais, non, on est ouvert à droite. Je vais reste direct, mais c'est... Je peux même pas reste. Je vais juste reste... Voilà, soigner mon mate, là. Mettre quelques pocs. Non, il a rel. C'est dommage de rel comme ça, mais... On a bien... Ah, le tank. C'est le... Je crois que c'est notre... Ouais, c'est Delta Phoenix, hein. Ouais, c'est le tankiste fou, là. On va le respecter. Il sait jouer. C'est pénible. La nade. On n'avait pas les mécaniques à l'époque de renvoi de nade, hein, si j'ai pas de bêtises sur BF1 à l'époque. J'ai un peu été spoilé sur Battlefield 5 avec ça, quand même. Je peux pas rester. En fait, je peux pas rester trop longtemps parce que, ouais, le tank il est là. Il va push. Il sait qu'il a la possibilité. Il a pas d'assaut qui le challenge. Hop. Hop. Oh. Mon dieu. On arrive plutôt pas mal à se débrouiller. Ah putain, Mirel, c'est dommage. Oh les potes. Je peux pas. En vrai, je peux vraiment pas plus m'avancer. Si je veux faire attention et pas mourir, quoi. J'ai plus de... Delta Phoenix, il est là. J'ai pris assez cher. Je vais essayer de reculer. Est-ce que tu peux me filer des munis, toi? Non? Je crois que je vais te laisser mourir, frérot. Hein. En vrai. Tu peux, s'il te plaît, me donner des munis? S'il te plaît, je suis en déj, vraiment. Ah, oh, bon... Non, mais... Oh, ils sont nuls, les soutiens. Hein. Photo. Merci. Allez. Let's go. On est où là? Ah! Un petit headshot à travers mon teammate, est-ce que je vais avoir l'assist au moins? Hop, on va essayer de monter là. J'ai raté. Il est toujours en tank, hein, Delta Phoenix, il est en train de se faire plaisir, il est juste en dessous. Hop, on va essayer de prendre des petites rotas de joueurs ici. Vraiment les... Oh non! Oh là là, j'ai failed. J'appuie sur 5 parce que c'est mon self-heal sur Battlefield 2042 et je me suis fait choper par le canon de forteresse. Oh my god. Oh, ça c'est la punition, ça. Ça c'est la punition. On est sur une game très très serrée où clairement on domine le leaderboard, ça fait plaisir. Mais par contre nos teammates nous aident pas énormément, on est quand même avec un mec qui s'appelle The Man That Milks qui est à 3-17, c'est-à-dire que lui son expérience de Battlefield se résume à mourir. Mais c'est bien. C'est bien. Alors je sais que ça correspond pas vraiment au gameplay justement qu'on pourrait trouver sur un Battlefield moderne avec des armes automatiques, etc. Mais moi c'est ce que j'aimais sur ce BF.
c'est que c'est un gameplay qui est quand même très original. Wow, je lui ai mis un de ses pocs à lui, mon pote. On est quand même sur un gameplay très original. Et il y a peut-être un flanc à prendre ici. C'est très osé, mais... Ouais. C'est vraiment beaucoup de... C'est une méta trichat. Wow. Je sais pas, je crois que... Je sais même pas avec lequel nous parle. Je crois qu'il y a un snipe ici. On essaie de prendre ce caillou qui est quand même un caillou que j'aimais beaucoup jouer à l'époque. Pour justement rester en périphérie du point C sans forcément avoir à subir toutes les nades. Et faire un petit peu un rôle de pivot. Regardez-moi ça! Regardez comme c'est stylé en fait! Je crois que c'est une des composantes en fait. Une des raisons pour lesquelles j'ai adoré Battlefield 1 d'un point de vue immersif, c'est que... Comment dire... Les avions étaient vraiment forts hein, en vrai, et beaucoup de gens pouvaient les jouer. Mais par contre, on les voyait dans le champ de bataille. Ils faisaient du rasmot, etc. Ils interagissaient avec l'infanterie, on pouvait leur tirer dessus avec des DCA. C'était pas la même chose en fait, et... Oh my god, bien joué à lui, franchement j'avoue, j'arrivais pas à le... Il avait un snap, il me l'a collé. Il y a un truc en fait, il y a cette espèce de rapport entre l'infanterie, les véhicules, le combat aérien, qui au final, le gameplay en tant que tel par exemple, pour moi le meilleur gunplay de la série c'est Battlefield 5. Mais à côté de ça, Battlefield 5 a plein de défauts. Et Battlefield 1, je trouve qu'il avait un gunplay un peu frustrant en vrai quand tu réfléchis bien. Les armes elles sont lentes, genre vraiment lentes. Quand tu regardes, genre là je joue quand même avec une pétoire qui fait du trishot kill, mais ça change pas grand chose en fait quoi. Et 36-9, sans... je crois qu'on a eu deux raises. On est... Il va clairement vouloir ce revenge, mais j'ai vraiment envie de tenter un coup de DCA sur lui. Je vais probablement mourir. Je suis complètement exposé, en fait je devrais... Je sais plus s'ils ont nerf la DCA en vrai. Alors. Il est où le bâtard? Il est où frérot? Ah. Ok, il est sorti en range, ouais. Ouais. Voilà, rien que ce système de DCA qui a été difficilement équilibré sur le jeu. Je trouve ça tellement fun en fait. C'est tellement un moment où tu te sens toujours en puissance, toujours capable d'affronter un adversaire. Bon alors en l'occurrence, les tanks qui savent jouer, c'est peut-être le truc le plus frustrant, mais bon, normal en même temps. Ah, je voulais récupérer un dernier hit, mais là je peux pas. Je suis à 36-9, j'arrive pas à faire de kill depuis tout à l'heure. C'est en train de se faire recap, je pense qu'on est en contrebas. Là normalement, ils ont la ligne et je me fais détruire par Yellow Jedi. Qui joue dans son dans son canon de forteresse. Yellow Jedi qui a 15-7, c'est-à-dire que le mec, l'intégralité de sa game, s'est résumé hein, à « je campe et je tire sur mes adversaires ». Ça fait quand même plaisir. On a 13436, 3,6 de KD. C'est ok, tiens, ça va. On est tout seul sur une game avec un bon tankiste et sur une map qui est très ouverte. Je crois qu'il y a une autre des raisons pour lesquelles je trouve que... Oh, je suis mort. Alors là, mon pote... Non, j'ai plus de soin. Une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai vraiment adoré ce jeu. Je fais de ces flick shots avec ma souris. À la fois 3. C'est qu'en fait... Oh non, je gagnais le duel sans la maîtresse déjà. En fait, il y avait une vraie façon de jouer aussi en conquête qui... Je sais pas. En fait, je trouve que les maps en conquête, on pouvait vraiment jouer sans se faire chier en fait. Alors évidemment, toutes les classes n'étaient pas forcément aptes à faire ça de façon super efficace. On va peut-être abandonner le point C. La Villa Benetti, c'était marrant en vrai comme point, on l'y a même pas joué. Est-ce qu'il y a du monde? C'est pas méga intéressant. Je vais pas gagner beaucoup de duels contre des mecs qui sont à l'automatico et tout, je vais peut-être pas aller le tenter. Mais ouais, je sais pas, en fait, il y avait une structure des maps qui était sympa. Alors là, on voit absolument rien. Ok, mon pote, ça va. Je te laisse. Je vous laisse clairement ce point. On est à un chouille, à un pet de perdre. Malheureusement, ils sont en train de full recap. Et ça aurait été une game bien sympa. Mais regardez-moi ces conditions atmosphériques. On voit rien, en fait. C'est fini, on ne voit plus rien. C'est trop bien. C'est trop bien.
Bien joué, mon pote. Voilà, on va prendre l'objectif F. Je pense qu'ils sont tous partis sur E, mais je vois rien en fait. Oh my god, ils sont tous là. Je pense qu'il est juste derrière son mate. Et il y en a un dernier qui doit être juste là, mais je sais pas. Je pense que j'ai pas assez de balles. Oh non, je l'ai pas entendu! Il m'a mis un coup de matraque. J'avoue que ça, j'ai vachement perdu l'habitude parce que c'était tellement efficace sur Battlefield 1. Ouh, sweet! Sweet, mon bro! T'es un beau gosse! J'ai énormément perdu l'habitude de le faire sur BF1. Parce que sur Battlefield 2042, c'est infect en fait. Les coups de mêlée sont horribles. Allez, 38-11, j'aimerais bien faire un petit kill ou deux. Je vois rien. Je vois rien. Là, il aurait fallu passer en mode aftermath. Oula! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Mon jeu a crash! Oh non, l'horreur! Bon, et bah écoutez, les bandits, ça va malheureusement être la fin de cet épisode d'Offron. Je ne sais pas si on a réellement gagné ou non, mais il semblerait que le jeu ait crash. C'est terrible, c'est terrible, je suis dégoûté. Mais je vais quand même sortir cette vidéo parce que la game était très très bien et qu'on était à 40 points de finir. On a fait 38-11, un bon résultat. En tout cas, j'espère que cet épisode d'Offron, qui était long, vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous en voulez d'autres, des throwbacks en arrière. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci de me regarder, à très vite. Ciao les bandits.